Dans les derniers jours, il y a un nouveau gouvernement qui a pris en place, qui a lancé une grande question, hein, une question difficile à répondre. Il a posé la question, comment assurer une bonne accessibilité aux études supérieures au Québec? Ben aujourd'hui, on est venu lui donner la réponse qui nous semble la plus évidente. Enlève les barrières économiques et les gens pourront aller à l'école! Aujourd'hui, on vient réclamer la gratuité scolaire. C'est pas la première fois que je participe à une manifestation sur la gratuité scolaire, mais celle-ci est spéciale. Celle-ci est une manifestation de lendemain de victoire. Il faut dire que c'est pas une campagne électorale de 30 jours qui a changé quoi que ce soit. C'est notre mobilisation, c'est le fait qu'on s'est organisé démocratiquement, c'est le fait qu'on a perturbé l'économie, c'est le fait qu'on a décidé, oui, de prendre des risques, qu'on a décidé, oui, de faire un mouvement fort de grève. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on est en position de force. Donnons-nous la liberté de nous extraire des rôles prédéfinis par des bureaucraties techno-pédagogiques en nous rappelant les fondements d'une éducation humaniste. Ça, notre victoire, là, va pas seulement nous aider, nous. Elle va aider des milliers de personnes à travers le monde. Déjà, partout dans le monde, on voit des gens qui citent en exemple la grève étudiante du Québec. En Angleterre, il y a des affiches qui citent la grève étudiante du Québec qui disent que c'est parce qu'on s'est battu qu'on a gardé les frais de scolarité les plus bas en Amérique du Nord. Ils ont tout à fait raison. La pratique de la liberté politique portée par le rêve et l'utopie nous aura fait vivre ensemble plusieurs transgressions. Nous nous sommes élancés dans la nuit, marcheurs solidaires. Nous avons été ivres ensemble, nus devant les forces de la répression. Fragiles et forts à la fois, nous avons créé durant cette grève un nouvel imaginaire politique. Cette complicité, j'espère sincèrement qu'elle nous permettra de maintenir ouvertes les brèches qui pourront, pour peu que nous en saisissions l'opportunité, transformer radicalement la relation entre professeurs et étudiants. Au début de la grève, on disait souvent que cette grève-là, c'était pas seulement pour un gel. Cette grève-là, c'était faite pour donner un exemple. Un exemple de ce qu'on pouvait réussir avec un rapport de force. Puis elle attend notre victoire. Maintenant, il n'y a personne au Québec qui peut se dire que se mobiliser puis se battre, ça donne rien. Il reste juste que les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux emboîtent le pas, puis on va l'avoir, le changement social.